Nous sommes à quelques heures du choc entre Manchester City et le Bayern de Munich. On va essayer de voir les clés du match. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, Manchester City et le Bayern de Munich vont jouer dans quelques heures, les gars. Quelles seront les clés du match? Pour moi, les clés du match, c'est le milieu du terrain. C'est le milieu du terrain. La personne qui va dominer le milieu du terrain, pour moi, il va gagner le match. Parce que, a priori, le Bayern va partir sur Goretzka et Kimmich, Musiala, parce qu'on annonce Thomas Müller sur le banc. Donc, a priori, ils vont partir sur Goretzka, Kimmich et Musiala. Et côté City, ils vont partir sur Gundogan, Rodri et Kevin De Bruyne. La personne qui va dominer le milieu du terrain, pour moi, il va gagner au match. Surtout si Kevin De Bruyne est moins bien, le Bayern va dominer son milieu du terrain. Il faudra un grand Kevin De Bruyne pour voir le Bayern, pour voir City dominer. Il faut un grand Kevin De Bruyne. Si Kevin De Bruyne est moins bien, le Bayern va dominer son milieu. Et si le Bayern domine le milieu, ils vont gagner le match. Donc, il faudrait également un grand Sadio Mané. Vous savez que Choupo-Moting n'est pas là et c'est préjudiciable. C'est très préjudiciable pour le Bayern. C'est très préjudiciable pour le Bayern. Choupo-Moting n'est pas là et du coup, donc Sadio Mané va prendre la relève. Mané va probablement jouer à l'arse et il faudra qu'il fasse un grand match. Il faudra qu'il revienne à son meilleur niveau. Donc pour moi, s'il n'y a pas un grand Sadio Mané, ça sera très compliqué pour le Bayern de Munich. Ensuite, je voulais revenir sur le propos de Guardiola. La Champions League, c'est juste les détails, les gars. Tu peux faire tout ça si les détails ne sont pas en faveur. Si tu n'as pas les détails, ça sera très compliqué d'aller remporter la Ligue des Champions. On l'a encore vu face au Real. Quand tu as remonté le Real, en moins de 5 minutes, si tu étais qualifié, si tu étais en finale, le Real a basculé au match en 2 minutes, 2 ou 3 minutes. Les détails sont allés dans les sens. Les détails sont allés dans les sens. Donc, si tu n'as pas les détails, ça sera très compliqué de gagner la Ligue des Champions. Mais petit prono, je vois une victoire des City. Je vois une victoire des City. Après, donne-moi ton retour en commentaire. Donne-moi ton pronostic. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois également une victoire des City? Ou bien tu vois une victoire du Bayern? Ou alors tu vois tout simplement un match nul. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.